Donc il va rejoindre les alliés, le Turc. Ouais, il ne rejoindra pas le Russe. C'est une bonne chose. Oui, bon, surtout que les alliés ne pourront lui envoyer aucune aide. Si le Russe prend la province de Avaz en Irak, oui, il pourra pas envoyer d'aide. Putain, mais les flaques du Russe sont meilleures que les miens, quoi. Voilà, 21 divisions, 45 divisions. Johannesburg, under attack. D'ailleurs, c'est marrant, c'est quoi la division qui attaque Johannesburg? Comme quoi l'anglais n'a plus de div. Je crois que c'est une Marines. Non, c'est une division de milice appelée la Home Guard néo-zélandaise. néo-zélandaise? Carrément. Je sais pas d'où il allait la sortir, mais c'était marqué Home Guard NZ. Alors je pense que c'est néo-zélandaise. Ouais, je pense aussi. Ouais, donc en clair, véritablement, c'est ce qui s'appelle faire les fonds de tiroir. Exactement. L'anglais... Ah non, mais l'anglais, il souffre, hein. Oh, puis l'Irak, il me donne 19 dollars contre rien, merci. Ah, des divisions moto, maintenant, qui attaquent Johannesburg. C'est pas mignon. J'en ai presque la larme à l'œil. Toi aussi. Ah ouais, ça me fait dresser les tétons. Dresser les tétons. Prétoria, je... Victoire à Bobrusque. Oh, les pertes qu'il s'est mangé. Il a pris 80 000 pertes. Regardez. Oh, par contre, à Mogilev, 40 divisions. Bon, on va faire supporter l'attaque. Voilà, allez, c'est reparti à Mogilev. Prétoria, je suis en train de me suivre. Casse-toi. Alitus, voilà, dégage. Oh là là, mais ce qu'il a comme perte à Mogilev, c'est affreux, quoi. Ouais, ça se produit vite, hein, une vingtaine de jours à peine pour produire des V2. Ah putain, ça va vite. Voilà, parfait, c'est bon. Je renfous mes caisses de pétrole grâce au Venezuela. En fait, on a tellement fait mal à la Royal Navy que maintenant, il peut plus nous couler de transport, limite. Attends, mais c'est des bonnes provinces, quand même, en Afrique du Sud. Hein. Johannesburg, 30%, que 30% de Johannesburg, c'est un peu ça, quand même. Pretoria, c'est genre 50%. Messieurs, je crois qu'il est temps. Il va y avoir du Turc à manger. T'as assez de... En face de Istanbul, t'as assez de d'orge, quand même. Oui. Là, on va l'attaquer. Il y a que éventuellement à Alexandropoli où j'en ai pas beaucoup. Mais bon, c'est de la division régulière. Normalement, ça devrait être... De toute façon, il a pas mobilisé, donc... Voilà, donc ce qu'il faut, c'est l'attaquer, lui faire des mouvements rapides. Lui faire une blitzkrieg, quoi. Ouais, voilà, véritablement, la stratégie de la blitzkrieg. Puis du coup... Alors, attends, par contre, je vais juste envoyer ma flotte... ici, voilà, et on va se préparer. Alors, la guerre sera débutée le 8 mars. Ah, Mozir, putain, je me suis attaqué par 47 divisions. Oh là là. Oui, ça fait un bout de temps que t'attaquais, hein. Oh là là là. Oui, je sais, mais il n'y en avait pas 47 la dernière fois. Putain, mais le peuple, mais qu'est-ce qui m'emmerde? Qu'est-ce qui m'emmerde? Putain, j'ai quasiment plus de supplies. Tout ça à cause du peuple. Red Chista. Voilà, bon, on va baisser les points dans les upgrades, ça me fait chier. Le Turc n'aura plus d'aide, parce que dans tous les cas, avec Arbil qui est contrôlé par le Soviétique, et le Soviétique ne donne pas l'accès militaire à l'anglais. Je vais tenter d'annexer la France libre. Victoire à Tchernoti. Tchernoti, j'ai gagné. Bon, j'attaque le Turc. Hop, c'est parti. Ah, c'est bon, j'ai lancé toutes les attaques. Alexandropoulis, ça passe, il tente un truc là, Alexandropoulis. Victoire à Mozir. Oh là là! Wow. Oh les pertes! Oh la vache, les pertes des deux côtés quoi! Ah mais t'as vu ce qu'il a pris quand même? C'est presque du 1 pour 3 là quand même le machin! Ouais quand même, mais wow! Les fidèles soldats d'Hitler! Toi tu contre-attaques sur tout le front? Bien sûr! Ok, Rommel, qui a pas d'essence là-bas, tu m'étonnes! Non mais c'est normal, c'est parce qu'en fait il est perfusé par le. Par que le Palestine. Je l'envoie à Alexandrie, hein, il sert à rien ici! De toute façon la Kriegsmarine devrait pas tarder à venir le récupérer! Bon, c'est bon là, vous y arrivez. Voilà, c'est bon. Ok, allez, direction Ankara. Alors, Rommel, tu me l'envoies. Très bien, c'est ce que j'allais dire. Du coup, lui, il va rouler. Ce qu'il faut, c'est être absolument directement aux portes du soviétique. Non, le front s'est un peu stabilisé là. Putain, la Soviet Union, 20 millions, c'est affreux. Ouais, t'as vu tous les chevaux qu'il a perdus? Oh, mais c'est affreux. Attends, les chevaux. Oh là là, il... Tu prends Istanbul, je vais dans la mer noire. Allez, hop, je roule vers Ankara. C'est quoi ces points de contrôle? Ah oui, il y a que Ankara et Istanbul en fait. Voilà, c'est pour ça que je veux y aller. Attends, mais ça va tellement vite, Pretoria, c'est tellement cool quoi. Dans les montagnes, mais il y a 50% d'infra, tu te rends pas compte de ce que c'est, Youn. Oula, ce que tu te prends comme contre-attaque à Borisov, 55 vives. Ouf. Ouais, mais ça c'est normal, c'est parce qu'en fait, moi tout ce que je veux, c'est lui anéantir une div à Vilashka, juste pour lui faire plaisir. Non, mais il y a deux divs. Deux divisions régulières, pas mal. Joli. Attends, j'avance à 2 km/h, Youn. C'est beau. Ouais. De Ondurman vers El Obeid, j'avance à 2 km/h et j'ai de l'artillerie, de la cavalerie en brigade. Hein.
Ah tiens, j'ai les premiers V2. Eh bien alors, on va faire on va faire les premiers tests. Alors je vais en mettre à 6XC et je vais les envoyer à Luban. Et on va commencer à faire péter du V2. Putain, dans 19 putains de jours, la France libre est annexée. Enfin, les divisions égyptiennes qui n'ont aucune organisation qui vont à El Karadif, les mecs. J'imagine leur déplacement, tu sais, le gros merdier. Ah ça y est, la Rasputitsa arrive. J'ai mené plein de grosses offensives dans le sud là. Ouais, il va être obligé de redéployer des troupes. Ok, lui je lui fais mal, là je lui fais mal. Prépare-toi à faire passer ta flotte hein, dans le détroit. Dès qu'Istanbul est tombé, on peut. Oh, et puis il y a des tacs américains qui sont en train de me faire chier au-dessus d'Istanbul. Tu vas voir les tacs américains. Ouais, on va aller hop, tu peux envoyer. Ouais, les intercepteurs là, qui y a pas loin. La France libre, elle vient d'annexer la. Oui, elle a annexé le mandat syrien. D'accord, je comprends mieux. Le turc d'ailleurs est à côté de Jérusalem. Ah ouais, je sais, j'y suis. J'envoie des troupes dessus. Détruis-le. T'as intéressant, intéressant. Il a essayé de nous baiser, le turc. Hein. Mmh. Ouais, bah attends, tu vas voir. On va vite fait te le corriger. On va te le remettre à sa place. Il y a une bataille à Lutsk. Ouais. Ouais. Ouais, mais il y a de la Rasputitsa qui te protège. Plus ou moins. Prise d'Istanbul. Ah, parfait. Putain, il contre-attaque. Envoie ta flotte pour le bloquer. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est bon. Du coup, redéploiement immédiat du côté de Bakou. Alors, redéploiement à Kars. Redéploiement. Voilà. Allez, hop, 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 hop. Vite. Tarn Paul, 36 divisions contre 37. C'est Franco. Le field maréchal Franco Baumonde. Qui part à l'assaut de Tarnopol. Et ça, il pourrait rentrer. Il a ramené 7 divisions, quoi, Karbala. 3 CV5 anglais. Un qui va être coulé, un coulé. La France libre est annexée. Oh GG. Du coup, ouais, tout est repassé en fait sous commandement anglais. Ouais, ça fait chier. À quoi que, eh, non, pas tout. Non, pas tout, parce que les divisions françaises ont été détruites. Mes troupes sont en train d'arriver dans le Caucase. Youn, j'ai Madagascar. Mussolini en photo de propagande, en train de siroter. Ouais, t'as même la Guyane et tout ça. Ah oula, tu t'es fait attaquer à Brazzaville. T'avais pas d'ordre. C'est pas grave. J'ai de quoi redéployer. Bon, j'espère que De Gaulle sera présenté. De Gaulle, déjà, De Gaulle va être serveur pour en tant que serveur dans les hôtels magache de notre cher Mussolini. Hein, il va être serveur. Après, bon. Je l'enverrai à Hitler. Bon, peut-être pas nu quand même. Hein, ah si, à nu. Hein, Hitler et Himmler le veulent nu. Hein. la flotte soviétique que tu viens de croiser, là, t'es en train de les trier. Où ça? Au large de Sébastopol. C'est toujours pas fini. Je roule vers Bakou. Allez, on avance la contre-attaque. Allez, je les fais passer en offensive, ça va me faire gagner 4 jours. 27 divisions sont prêtes là pour toi. Ça, ah oui. À côté du Budapest. Elle y arrive le 19 mai. Ouais. Oh, c'est bientôt le 19 mai, ouais, en plus. C'est Volkers. Ah, et juste derrière, il y a Rommel à la tête de l'Africa Corps, qui est devenue la Bakou Corps maintenant. La Bakou Corps. La Bakou Corps, j'y crois pas. Eh, mais il a bien investi l'Irak en plus, t'enculé de. Mais justement, c'est ça qui est bien. Là, moi, tout ce qu'il faut, c'est que j'arrive à Bakou. Je lui fais du redéploiement stratégique et puis on y va. Pourquoi la France libre ne veut pas nous rejoindre? On est bons pourtant. Ouais, j'ai du V2 à CLC si ça t'intéresse. Ah, parfait! L'équipement est terminé! Parfait. Mes équipes vont gagner pas mal de trucs. Allez hop! Attends, non, on va lui faire un débarquement sur Rostov-on-Don. Mais vas-y, t'as qui a embarqué des divisions basiques? Ouais, c'est divisions basiques, malheureusement. Défaite à Erevan. Ouais, mais c'est pas grave, Rommel est arrivé. Attaqué par des Russes, par un T-34 russe, mais il arrive pas à passer parce qu'il y a 6 de. Attends, 6 de hard attack, la division 42 irakienne. On leur a bien appris comment faire quand même. Ouais, c'est clair. Où ça? Dans le nord, 2 divisions à Dogalpis, 10 divisions simplement à Polotsk, il a tout envoyé dans le sud là. Bon, allez, moi je lance les assauts hein, directement, hein, sans pression, sans pitié. Ouais. Vitebsk, à l'attaque, Mogilev, à l'attaque, à l'attaque. Bon, on va voir où ça passe et où ça passe pas. Attaquez. Maudissons ensemble ce jour, mes amis, nous qui allons lancer l'offensive cheat. C'est parti, les offensives dans le Caucase, en Caucasus. Avant. Caucasus. Bakou, nous voilà. Bakou, attends-nous. Voilà. Viens m'attaquer l'anglais. Vas-y, je t'attends. Ah ouais, mais Dogalpis, j'étais déjà en train de le violer depuis longtemps. Tarn Paul, ça passe. Otin, ça passe. Balti, ouf, c'est dur Balti quand même. Hein.
Lutsk, oui, je vois. Comme ça, on l'encercle à l'eau et puis ça réglé. Ouais, non, mais je vais. Mais je vais remonter, on va l'encercler même à Lutsk. Que... Non, là, j'arrête à vitesse parce que ça. Il y a trop de monde. Il y a beaucoup trop de monde. Mais c'est pas grave, je suis en train de le percer dans le nord. Putain, 18 contre 24, Mogilev. Voilà, dégage à Polotsk. Victoire à Polotsk, ouais. Victoire à Lutsk. Allez, tout ça, ça dégage là. Offensive cheat. Victoire à Kaul. Goulou, tu fais le malin à Goulou, mec. Je vais te défoncer à Goulou. Ah, Goulou. Alors non, tu vas te calmer, c'est pas raciste du tout ce que je disais. C'est vraiment un nom de province, alors Yun, arrête. Oh, Valmeria, putain. Oh là là, tout ça, on livre, mais c'est pas possible. Putain, Balti, c'est chaud de la bite, hein. Oh là, Balti, on s'entretue salement, quoi. Parfait, à Vitebsk, que je suis en train de passer. Et en plus, j'ai de la... Oh là 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 là, Valmeria, dépêchez-vous d'arriver. L'infanterie, s'il vous plaît, vite, j'ai besoin d'un renfort. Bon, parfait, ici, à Valmeria, hop. Voilà, oh, 6 divisions à Vilechka, 6 divisions détruites. Ok, ça c'est bien. Parfait, elles étaient en train de se replier depuis Borisov. Improve carrière, yeah. Ah, ça y est, mes premiers porte-avions 4 commencent à être faits, être construits. Bonne nouvelle. Ouais, j'en ai 1 sur 4, le RN Andrea Dolia. Ah, Valmeria, c'est bon, je suis arrivé, et tous mes renforts sont arrivés, du coup, la tendance s'est inversée en ma faveur. C'est une bonne chose. La Perse allemande. Ah, des DD américains qui se font maltraiter. Oh, ça ne m'étonne même pas, tu vois, c'est... Oh, bon, tout ça, c'est anecdotique sur les rapports du Führer. Parfait. Hop, alors attends, est-ce que je peux attaquer défaite à Balti? C'est où, ça? Ouais, j'ai pas réussi à pas percer, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Hop, j'attaque Smolensk, si je peux lui passer devant, alors là, c'est du pain béni. Ah, Vilechka, il y a encore de la div. Je sais pas ce que c'est par contre. Bah écoute, on va voir ça tout de suite. Alors, unit, this unit, on va laisser vous, parce que vous avez pas d'orgue. On va attaquer immédiatement ici. Allez, c'est parti. Attaque à Smolensk. Il a pas... Ah, c'est bon, là, à Smolensk, je suis en train de lui faire très mal. Oh, Nairobi, 50% d'infra, Youn. Oh là là, à Vilechka, il y a encore 3 divs de coincés. Ah, une percée théorique. Parfait. Alors, voyons voir ce que c'est. Secret Weapon, c'est dans Ballistic Missile. Bien. Ouais, c'est classe 44, c'est les V2 A9. Ok, c'est bon. En plus, je suis en train de lui détruire de la division à Smolensk. Excellent. Je suis passé devant lui, je suis trop rapide. Avec mes SS. Alors, attaque, sauve-nous. Ici, on va simplement faire supporter l'attaque. Je pourrais peut-être éventuellement lui en détruire d'autres. Et de la bonne div en plus. Ah, oh, putain. Défaite à Veliki Yuki. Ici, là, par contre, ça passera pas. Enfin, quoi que si ça va passer, mais par contre, est-ce que je vais lui anéantir de la div? Moscou est un... Oh putain, c'est vide! Je vais lui anéantir de la div! En avant! Ah putain, par contre, à Oslo, c'est dur. Hein. Je suis en train de pousser comme un taré et j'y arrive pas, quoi. Rostov? Ah oui, combien? 5 divs, c'est pas grave, t'as la flotte derrière. 5 divisions, bon ça va, il attaque en terrain délicat. C'est que de la milice contre de l'infanterie régulière, je pense que ça va tenir. Les fêtes à tirage. C'est normal. Ah non, mais putain, la milice qui va plus vite que des motos et cesse, mais foutez-vous de ma gueule. Ah non, là c'est pas du troll. Là je m'insurge. Oh, 5 divisions que je viens d'encercler là. Ah là là, putain, non, mais non, c'est pas vrai. Les fêtes j'ai essayé d'attaquer. Oslo, putain, j'ai perdu. J'ai pas réussi à passer. Parfait, à Tchernigov, Arichiska, c'est bon, on va arrêter ici. Bon, Rostov sur le dos, le mec, il y a un transport qui est Tiraspol, on a encore perdu. Stop. Putain, mais à Valmeria, putain, il a plus de 4. Même ces divisions régulières sont étriées, quoi. Les fêtes à Mogilev. Ah merde, instant de contre-attaque, enculé. Non, sauf sur le don, il a arrêté. Ouais, bon, de toute façon, ouais, même s'il y a de plus en plus de monde, hein. Faut que je fasse très attention. Bon, bah, tiens, allez, hop, on roule vers Moscou. 2 divisions full org. Bon, elle vient juste d'être déployée, du coup. En fait, à Constanza, putain, j'ai encore perdu ici, j'y crois pas. Victoire, à part nous, boum, 6 divisions à la poubelle. Bien. Bah, du coup, moi, je vais commencer à rechercher quelques doctrines navales. En vue peut-être de l'arrivée en Angleterre. La visite du Führer à Londres. À Berlin, lui, ce quotidien. Bon, bah, il fait des discours tous les jours, tout va bien. Oui, c'est comme ça qu'on gagne une guerre. Voilà. Nous avons gagné la guerre. Bientôt gagné la guerre. Je suis en essence, c'est juste monstrueux. Ah bon? Défaite à Kutaisi. On a perdu à Kutaisi. Ah merde. Ah ouais, non, mais c'est pas grave. C'est uniquement mes Marines. Pas mes Marines, mais mes montagnards. Victoire Ismail, la petite poche, oh oui, il y a tout qui se replie sur Solina, oui,
espèce de sale enculé. Allez, oui, oh, ça fait du bon. Oula, une petite flotte américaine, une flotte légère, du transport avec accompagné d'un CL qui se fait défoncer. Navo se font plaisir, Yona. Parfait. Défaite à Vav. Ah putain, il a ramené des troupes, l'enculé de sa mère, quoi. Ouais, reste assuré, donc j'ai perdu. Heureusement que j'avais laissé la Kriegsmarine derrière. Encore ? De quoi ? Bah, il a nouveau libéré la Norvège. Oh, comment il fait ça? Bon, c'est pas grave, au moins il se prend 1% de dissent, donc... Oh, Vorou, il a renvoyé du monde, merde. Bon, je vais arrêter parce que je passe. Bon, du coup, je vais redéployer les trois divisions que où j'ai perdu à Rostov, je vais les envoyer à Sochi. Et c'est la grosse offensive, c'est la grosse offensive. Victoire ici. En chantant, messieurs, en chantant. En chantant, je veux que dans tout le Reich, la Panzerlit soit chantée. À Tiraspol, c'est une défaite. Bon. Oula, à Lisbonne, bon, défaite, défaite, débarquement américain. Oh putain, il est passé comment? Ouais, j'avais pas, on a été prévenu? Pas du tout. Ouais, ou alors, si ça se trouve, il y avait tellement de trucs que j'ai pas vu. Et les transports, on les a pas croisés, mais nique ta mère, quoi. Oh là là, si, on en a croisé quelques-uns, mais... Bah là, je viens de les croiser, mais on les avait pas croisés avant, quoi. Oh là là, y a quoi? Bah, je vais voir avec les Portos, ouais, hein. Y a de quoi faire pour les détruire? Ouais, bah, j'ai trois divisions portugaises qui sont en dessous, donc... Ok, bon, bah alors, on va voir. Hop, c'est parti. Oh, tiens, allez, hop, les Marines américains, tiens. Ok, parfait. Ouais, il s'est complètement épuisé. Mais putain, on avait ces trois divisions régulières, quoi, qui se battaient. Ouais, trois divisions régulières italiennes, portugaise. Ouais, c'est... Oh là là, mais en plus, c'est trois transports nus, quoi. Défaite à Tiraspol. Ah, oh, bah tiens, quelques divisions encerclées, non? Oui. Oui. Huit divisions d'infanterie, full orgue. Oh, mais putain, j'ai fait débarquer à Sochi, je me suis fait dégager, quoi. Mais alors, quand même mal propre, hein. Oh oui, je suis arrivé à Odesse. Où ça? We lost à Lisbonne. On a perdu. Il a encore fait débarquer du monde. Oh putain, mais il a combien de troupes? Moi, j'ai plus de... Mais ça y est, c'est le débarquement. Bon, bah, les trois divisions espagnoles, hein, qui étaient là-bas, bon, bah, je vais les renvoyer à Salamanque, hein. C'est parti, quoi. Voilà, il y a que trois divisions américaines en plus, hein. Bon, je vais rester à Setúbal. Gros support immédiat. C'est bon. Ouais, bah, en fait, l'espagnol, il a plus d'essence parce que c'est lui qui ravitaille nos avions. Ah, d'accord. Je l'avais complètement zappé, ce détail. C'est un détail de l'histoire, de toute façon. Ouais. Bon, c'est pas grave, hein. Ce n'est qu'un désagrément mineur. Oh, putain. Ça a été la grosse bataille. À Pskov, j'ai perdu. Zhytomyr est tombé. Au contre-attaqué direct, ça tient, Zhytomyr. Non, ça tiendra pas. 16 divisions qui attaquent, comme tu veux que je fasse quoi face à ça. C'est bon, j'ai fait une grosse poche là. Durban, il est chaud le mec à Durban à chaque fois là. Ah, de transports glace gauche qui ont essayé peut-être essayer de ramener du renfort, je pense. Oh, mais il y a des trucs. Oh oui, il y a tout qui se replie ici, c'est pas beau. Révolte à Vigno. Oh. Mais ils sont sérieux, attends. Attends, j'ai un corps d'armée qui est pas loin. Envoie la première SS défoncer ça avec ses potes. Hein. Défaite à. Non. Oh, mais merde, j'ai encore perdu dans le cocasse quoi. Oui, Karostein, ça va tenir. Oui, ça va tenir. Oui, ça va tenir. Victoire à... Oh oui. Le corps d'armée sud russe est sans ravitaillement. Victoire à Durban, bah, tu m'étonnes que j'ai gagné là. Il y a encore beaucoup de monde, hein. Putain. En regardant le cocasse, tout ce qu'il y a, quoi. Ah non, putain, il n'y a plus l'offensive petite. Ah, ça y est. C'est déjà fini, quoi. Bon, c'est pas grave, on lui aura fait tellement mal. C'est trop lent, c'est trop lent. Attaquez, attaquez, continuez, on pousse, destruction. Oh là, oh, il y a 26 divisions à Pskov. Mais regarde, putain, mais la gueule de sa milice, quoi. Il y a de la milice, il y a de la moto, il y a de l'infanterie régulière avec artillerie, avec char. Ah, putain, Solina, il est ravitaillé par je ne sais pas quoi. Ah là, il va perdre tout un corps d'armée. Erevan, Roslav. Rostov, un viol. Zhytomyr, victoire. Nakari, victoire aussi. Il a essayé d'attaquer. Oh là là, Pskov, putain, toutes les dives. J'ai plus d'orgue. Ah non, là, faut dire que j'ai poussé comme un malade, donc On va détruire du convoi russe dans la mer Noire, parce que c'est ce qui lui permet de ravitailler sa poche. À Soulino? Ah oui. Non, il n'y a pas de port. Ouais, mais il est quand même ravitaillé par quelqu'un. Ah non, il est plus ravitaillé. Non, il est plus ravitaillé, hein. Ok, très non, bien. C'est juste qu'il était ravitaillé parce qu'il avait fait un petit stock. Oh, j'ai réussi à sauver mes Marines. Ah, yes. Joli. Enfin, sauver. Ils ont réussi à embarquer. Après, je sais pas s'ils sont vraiment sauvés, tu vois.